Comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est un truc de fou. J'ai récupéré un tank. C'est pour ça que j'ai un jerrycan dans les mains. Ça consomme plutôt pas mal. J'ai eu la chance de le démarrer. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez être très étonné du bruit. Ce véhicule, il appartient au musée d'Hideyoma. C'est un musée Seconde Guerre mondiale magnifique. Vous allez voir, de par le poids des réseaux, donc j'ai eu la chance qu'il me le prête. Hein. On va faire tout le long de l'année, vous allez voir, des événements avec. On commence petit. Après, on finira peut-être avec un Sharky, quoi, qui sait. On va faire le tour déjà du véhicule. Je vais vous présenter son historique aussi. Et ensuite, petit tour pour voir comment ça fonctionne. Allez, on y va. Voilà le tank, il est magnifique. Il a été restauré il y a quelques années, je pourrais pas dire quand. Il y en a certains qui l'ont déjà vu, donc sur mon compte TikTok, parce que je l'ai déjà un petit peu divulgué, qui m'ont demandé beaucoup d'où il venait. À savoir donc que les véhicules militaires, parfois, c'est difficile d'avoir leur historique. Et donc, on a affaire à un Universal Carrier MK1. Donc, en 1935, ingénierie britannique, ils ont l'idée de concevoir un prototype. Et il a une fonctionnalité plutôt particulière. On considère pas ça comme un tank à l'époque, mais comme une chenillette un peu à tout faire. Ça marche plutôt bien, les essais sont assez bons. Sur la base châssis, c'est la même chose que celui-ci. Donc, la même année en 1935, ils sortent ce qu'on appellera l'Universal Carrier. Il est déjà mis en fabrication, principalement en Angleterre. Donc ce véhicule très simple, format très petit, 3,75 m de long, 2,10 m de large et 1,60 m de haut. Donc c'est très très bas pour un véhicule blindé. En ce qui concerne donc le blindage, c'est très fin. Hein, faut savoir que là on est sur de la 5, 6 jusqu'à 10. Donc à l'intérieur, vous allez le voir tout à l'heure, il y a deux places à l'avant. Donc le pilote et le tireur. Et à l'arrière, en fait, on avait un soldat équipé. Donc celui-ci, c'est un 3 places. On dit 3 places, forcément, on peut monter à plusieurs. Pourquoi? Parce que ce véhicule, comme je l'ai dit au début, c'est un fourre-tout. C'est un véhicule de reconnaissance, c'est un automitrailleur, c'est un transport de troupes, tout ce que vous voulez. Dans l'esprit du M29 américain qu'on connaît déjà, que j'avais déjà présenté. Ici, on a une partie qui est ravancée. Donc comme je l'ai dit, c'est ici que se situe le tireur. On avait une arme qui est très reconnue. On l'a vu avec Sean Connery dans Le Jour le plus long, par exemple. Ça s'appelle la Bren, le Bren Gun. L'Universal Carrier, son second nom, c'est le Bren Carrier. Pourquoi Bren? Bah, tout simplement parce qu'ici, on y situait une Bren. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de canon, c'est que de la mitrailleuse. Et il faut savoir qu'au moment du D50, on n'était même pas encore sur du Bren, on était encore sur la Vickers, qui a participé en fin de Première Guerre mondiale. On a des petites visières donc qui permettaient de pouvoir voir, à mon avis, si on se faisait tirer dessus. Mais comme c'est un ciel ouvert, je doute que ça protège réellement. Ici, on a un rail semi-périphérique, hein, forcément, il n'est pas très long. Et en fait, celui-ci, il permettait de pouvoir disposer aussi deux mitrailleuses ou fusils hein, sur la partie supérieure. Compartiment arrière, un soldat équipé, comme je l'ai expliqué, et beaucoup de caisses. Donc ces caisses, elles permettent sûrement le stockage de munitions, etc. La réparation mécanique, un rectangle blindé et rien d'autre. Moteur central, on a affaire à un V8 commercial Ford, un V8 des années 30 qui a été utilisé dans les berlines américaines qui ont fini en hot rod dans les années 50. Celui-ci, il a 85 chevaux et il a quand même une capacité à tracter le blindé à 51 km/h maximum d'après les statistiques. Alors qu'il fait à peu près 4 tonnes. C'est pas le plus rapide du monde, mais on est quand même dans les années 40, faut pas l'oublier. Petite spécificité pour un tank, il possède des phares, donc il y a un phare standard et un blackout. Le blackout, on le voit quand même un petit peu plus, mais pas dans ce format-là, aussi gros sur des tanks généralement. Il fonctionne pas, donc on va voir, on va refaire tout le schéma électrique dessus, hein, forcément, parce que pour le 6 juin, il faut qu'il soit nickel dans son état standardisé avec tous ses accessoires. À l'avant, en bas, comme vous le voyez là, on a la place pour pouvoir y passer une manivelle. Vous allez me dire, la manivelle, elle doit faire 2 mètres parce que comme c'est un moteur central, il est à l'autre bout, mais c'est une réalité. La manivelle, je ne l'ai pas, mais ça a bien existé. Hein. Il y avait la possibilité de pouvoir démarrer la manivelle si on n'avait plus de batterie. En latéral, on a donc cette petite plaque qui protège
Et ensuite, on a tout le système chenillé, chenille ferraille, il n'y a pas eu de caoutchouc sur ce modèle-ci, avec un système d'amortissement. Vous allez voir, quand il circule, il a une manière un peu particulière de fonctionner, il bouge beaucoup. Et en fait, c'est lié beaucoup aux amortisseurs qu'on a là de chaque côté. Ce Carrier, c'est un modèle canadien. Pourquoi et comment je le sais? Sur la plaque ici, constructeur, c'est écrit Ford Canada. Il y a eu plusieurs variantes, hein. Il a été fabriqué dans beaucoup de pays, dont l'Australie et les États-Unis. Il a même été jusqu'à être fourni à la Russie à 2500 exemplaires. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va le démarrer. Pour ça, je peux pas être tout seul, donc je vais faire appel à quelqu'un qui s'y connaît très bien en mécanique, William Commercial. Comment tu vas, mon ami? Eh ben, ça va bien. Ça va, ça va. Donc, on va aller démarrer le petit V8, ça va être top. En plus, je pense que ça va être quand même plus facile que mon dernier petit projet où dedans tout était un peu fondu, il y avait beaucoup d'électrique à refaire. C'est une autre génération, hein. Toi c'est du gros tank allemand. Bah là t'as deux cylindres de plus, un V8, moi c'était un 6 cylindres en ligne. Ça va faire un prix aussi sympa toi. Ouais bah tu l'as fait toujours gagner du coup. Toujours, toujours, c'est toujours en cours. Chaud sur le site, c'est pour lancer en même temps le logo William Garage, William The Squall, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, hein. Je vais mettre son site en description. Bon c'est parti, on démarre? Bah ouais, moi j'attends que ça. Allez, on se lance. Allez. Du coup je me mets au volant si tu veux. Ouais ça marche, bah t'es gentil, alors déjà on va essayer de grimper dedans. Ouais, ça se fait plutôt bien. Allez, tac, roule. Hop. Voilà, je suis installé à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est très serré. Hein. Donc, conduite à droite. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, comme c'est de l'ingénierie britannique. C'est assez étonnant, d'autant plus que c'est un volant pour un chenillé. Donc ici, on a toutes les commandes, les plaques constructeurs, quelques cadrans. Donc ici, j'engage. Il faut savoir, en fait, à l'arrière que William, il est là parce que on doit amorcer. En fait, on a changé bobine, condensateur, beaucoup de choses parce que le véhicule a pris l'humidité, il n'a pas roulé pendant quelques années. J'ai même dû nettoyer les bougies. Donc le premier redémarrage, comme vous vous en doutez, du coup, on l'a déjà fait. Mais à chaque fois, à froid, on est obligé. Il faut amorcer, mettre un petit peu d'essence dans le carburateur pour que ça claque un bon coup. Allez, un petit coup d'essence dans le carbu, il n'en faut pas beaucoup. Par contre, important qu'il y ait de l'additif dans ces vieux moteurs-là. Voilà, on a mis de l'additif. Donc ça, c'est pas mal. Allez, ça, c'est vraiment... Allez, ça devrait lui suffire. J'appuie sur le démarreur. Ah, ça a du mal, on recommence. Vas-y. Vas-y, essaye. Donc voilà, le blindé est sorti, c'était pas si compliqué en soi. Si on regarde bien, c'est un peu le même fonctionnement qu'une voiture. On a un volant, une boîte de vitesse, embrayage, frein, tout est pareil. Donc vous allez voir là, je vais prendre le volant et vous allez bien sentir, je vais en faire exprès. Il a vachement de maniabilité, vachement de mouvement quand il bouge.
voilà, je suis à l'intérieur. Donc là, vous me voyez pas. Je vais mettre la première. Et volontairement, je vais créer de l'accroche. Voilà, vous voyez là? Il a vachement de mouvement. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de pouvoir tourner plus facilement. On n'est pas si mal en soi. Donc voilà le résultat à peu près. Hein. Donc c'est un véhicule très sympa. J'espère qu'on pourra l'utiliser sur les plages du débarquement. Vous allez voir. Hein. On a prévu de très très belles choses. Et donc voilà, pour reprendre, en fait le système amorti il est vraiment exagéré, hein. Regardez bien, je joue avec l'embrayage, mais regardez, c'est comme une grenouille, il y a vachement de retard sur les amortos, vous voyez juste là, voilà, c'est quand même assez énorme. Et pour l'époque, on a un gros bruit de V8, imaginez toute la journée. Là, je suis juste en relâchement d'embrayage pour vous dire, et j'ai aucun souci, ça reprend tout seul. Voilà, donc là, j'accélère même pas, si vous voulez savoir. On est vraiment neutre, c'est pas mal du tout. Bon bah voilà, je suis comme un fou, hein, je vais pas vous cacher, ça fait super plaisir d'avoir ça ici. Ça veut dire qu'on a un tank dans le garage, c'est quand même assez unique. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous promets d'autres vidéos de ce genre très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire avec. Allez, à plus !